Et coucou tout le monde, je suis donc venue vous présenter mon premier tutoriel en partenariat avec Bibicraft. Je suis très heureuse de vous présenter cette petite poupette qui va servir pour vous faire découvrir donc les produits de Bibicraft. Non seulement je vais vous les montrer, mais vous allez pouvoir en profiter, mes petits abonnés, en likant cette vidéo, en étant abonné et en commentant régulièrement sur ma chaîne. Donc cette petite poupette, je vous donnerai, pour celles qui n'auront pas gagné, donc l'image de la tête, des bras, de la forme du dice, pour pouvoir la réaliser, pour offrir des dentelles et tout ce qui s'ensuit aux copinettes. Je vais vous montrer le dice que j'ai utilisé donc pour le corps de la poupinette. C'est un dice de chez Bibicraft, ne vous inquiétez pas. Tout sera remis dans la barre d'infos par ma belle-fille. Donc voilà le dice ici. Alors ici, c'est une petite fleur aussi que j'ai eue chez Bibicraft aussi. Ça sera l'objet demain de plusieurs vidéos pour faire des petites fleurs. Alors ici, ce sont donc le gros rouleau de perles que j'ai eu ici, donc chez Bibicraft, qui est celui-ci. Je ne pouvais pas tout garder toute seule, donc je vais vous le faire partager et vous les faire découvrir, vu que je l'ai eu gratuitement. Je viens faire profiter mes abonnés pour vous les essayer et pour vous autres pouvoir découvrir les produits de chez Bibicraft. Ma belle-fille va vous expliquer comment retrouver donc tous les liens et puis nous passons en tutoriel. Et ben les liens seront tout simplement en dessous de la vidéo YouTube. Ce n'est pas l'heure du tuto? C'est parti? Si, c'est parti. Donc, pour réaliser donc cette petite poupette, je suis allée donc chez Pinterest. J'ai récupéré donc ici une image comme ceci. J'ai utilisé donc les merveilleux pots de colle que j'ai reçus donc de chez Bibicraft de précision. Ici que j'ai rempli de colle blanche et là de colle donc de chez Action. J'ai remis des petites épingles comme ça. Ils font très bien l'histoire des pots de précision parce que ce n'est ni plus ni moins que cette tubulure qu'on a leur a mis un petit capuchon. Et franchement, il ne coule pas. Donc, je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc, je prends ici et je fais tout simplement comme ceci. Donc, sur ma page, j'en mets un peu partout. Voilà. Pour vous montrer donc les petits pots donc, de colle que j'ai reçus. Hop, voilà. Ici, je vais reprendre donc une page comme ceci. Donc, pour doubler mon image. Voilà. Votre image est doublée et ensuite vous venez découper votre image pour obtenir donc cette petite poupette là. Donc moi j'ai pris l'avance bien sûr, je l'ai découpée à l'avance. Elle est ici. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvée. Donc j'ai pris cette petite poupette, j'ai... Que de péripéties, mais ça va. Ouais, mon cœur... Donc j'ai pris cette petite poupette ici, je vais l'ancrer donc avec la tâterette rose ici, comme ceci. Donc je prends donc les petites brosses ici que l'on trouve chez Action mais que l'on doit trouver également chez Bibicraft. Vous venez et vous venez donc ancrer donc les bords de la petite poupette comme ceci, voilà. Ça va très vite hein, pour faire ça. Et ça peut servir de présentoir à dentelle comme de présentoir à perles. Alors ici, on va ancrer, autant qu'on y est, donc les bras aussi, également, pour qu'on ne voit plus de blanc. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Donc, pour les images, vous me retrouvez donc sur mon Facebook, sur Messenger, donc sur Honoré Chantal, parce que moi, par email, eh ben, je ne suis pas douée pour passer les images, donc ce sera uniquement sur Messenger. Ça, je préfère vous le dire d'avance. Donc ici, j'ai pris la collection With Love. Oui. Voilà, donc j'ai découpé donc avec le dice donc ici donc de chez Bibicraft, voilà, que je vais venir lui mettre comme ceci pour faire le corps de la poupette. Là, si vous avez envie, vous mettez de la dentelle, vous n'êtes pas obligé de mettre des perles comme moi je vais mettre. Hein. Donc ici, je vais mettre de la colle chaude, là, ici en dessous, voilà, comme ceci. Je viens, je me repositionne sur le dice comme ceci, voilà, qui est fait. Ensuite, je reviens sur mon papier... je sais pas. Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre. Faisons comme si c'était lui, mais voilà. Vous mettez donc l'endroit de votre papier comme ceci. Vous prenez votre crayon papier comme ça. Et vous viendrez ici, donc tout le tour comme ça. Tracer le contour de votre petite poupette.
Comme ici j'ai perdu mon pied, ben on va pas le faire, tout simplement. Parce que je suis limitée en temps dans la vidéo, mais je vous explique comment j'ai fait. Je vais vous montrer. Donc ce qui va faire l'envers, elle est où la bleue? Non, voilà. Ce qui va faire l'envers donc de votre décor comme ceci. Moi ici je ne vais pas le faire parce que il s'est imprimé donc sur une feuille de papier une feuille de papier imprimante, donc on va pas le faire, on va continuer donc là-dessus. Donc imaginons que là ce soit doublé. Ne vous inquiétez pas, celle qui va recevoir ce sera fait correctement, hein. Donc imaginons que ce soit fait. Donc, je vais prendre des perles que j'ai reçues donc de chez Bibi Craft. Je vais venir en mettre une ici à mode de petite cravate pour que ça corresponde comme ceci. Je viens coller. Puis vous récupérez donc les petites perles que vous aurez reçues dans votre envoi. Et ici, ben, je vais venir recouvrir ma petite carte tout simplement avec les merveilleuses perles que j'ai eues donc de chez Bibi Craft comme ceci. Et que vous aurez le plaisir de découvrir et d'utiliser pour d'autres créations. Néanmoins, je vous demanderai, les personnes qui auront gagné, c'est d'avoir une chaîne vidéo et donc de partager au moins ce que vous avez réalisé donc avec les perles de chez Bibi Craft. Donc ici, je vais découper ici. Je vais venir mettre un petit point de colle donc pour maintenir le tout. Parce que... Non. D'habitude, j'utilise ça pour vous récupérer, mais là, j'ai pas le temps en vidéo. Donc, c'est mis comme ça. Ici, j'ai préparé donc les petites mains donc de la petite poupette que vous aurez aussi également donc sur ma chaîne YouTube, Facebook, si je dis bien. Ici, on viendra mettre ici également donc du petit machin comme ça. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite. En fait, il faut pas que je dépasse la demi-heure, hein. Parce que comme je ne sais pas monter de vidéo, il faut que vraiment que je me grouille. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront donc dans la barre d'infos. Ma belle-fille vous mettra tout ce dont vous avez besoin. Donc ici, je vais mettre ici à son bras. Je vais venir coller comme ceci, voilà. Et ici, je viendrai remettre ici seulement un petit morceau. Voilà. Et ensuite, en bas, nous allons lui mettre seulement un petit ruban. Je mets dans l'autre sens qu'on ne le voit pas. Ça colle pas très fort. Vous savez, tout récupérer toutes les perles pour découvrir les produits Bibi Craft. Ici en bas, je viendrai lui mettre un petit nœud comme ceci. Et dans les cheveux, je vais venir lui mettre la petite fleur ici que j'ai confectionnée. Pardon. Ici sur le côté. Donc voilà. Ça, on se retrouve demain pour faire ces merveilleuses petites fleurs avec les dies donc, que j'ai reçues donc, de chez Bibi Craft. Et demain, il y aura aussi un petit lot avec des petites fleurs à gagner. Voilà. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura qu'un seul lot parce qu'il n'y aura pas 36. Voilà. Donc voilà. Les deux lots qui seront à gagner sur ma chaîne uniquement pour mes abonnés, pour les gens qui fréquentent et qui commentent régulièrement parce que je ferai un tri. Ça, c'est clair parce que des gens qui viennent lorsqu'il y a un concours et qu'on les voit jamais. Non, je préfère réserver ces lots à mes abonnés et les gens qui me suivent régulièrement. J'espère que les autres, ben, vous m'en voudrez pas. Voilà, c'est comme ça. Et je vous fais à toutes et à toutes de très, très gros bisous. Et je vous retrouve demain pour le tirage au sort donc du Dice. Ici, donc, de chez Action, que j'avais dit que je ferai un tirage au sort à faire gagner. Allez, bisous, bisous et une très bonne soirée.